Je suis certain que vous aussi, vous avez déjà fait ça sur une barre de recherche. Taper un truc totalement random et juste voir ce que ça donne. Alors oui, ça ne sert à rien du tout et pourtant on l'a tous fait. Mais qu'est-ce qu'on attend en faisant ça? Tenter de provoquer le hasard dans l'espoir de découvrir une sorte de glitch dans la machine? Je ne sais pas. Et puis, imaginez maintenant faire ça sur YouTube. Que peut-on espérer dénicher dans cet océan exponentiel de vidéos en tapant simplement une suite de lettres aléatoires dans la barre de recherche? Car en effet, chaque minute, 500 heures de vidéos sont mises en ligne sur la plateforme à travers le monde. Ce qui fait donc 30 000 heures de vidéos toutes les 60 minutes et donc environ 720 000 heures de vidéos par jour. Et après de rapides calculs, il faudrait donc 82 ans, en ne prenant aucune pause, pour voir l'intégralité des vidéos postées sur la plateforme. Alors, sur tout ce contenu, quelles sont les chances pour qu'une recherche aléatoire puisse mener à quelque chose d'intéressant, quelque chose de mystérieux et de difficilement explicable? Eh bien, elles sont très faibles, mais pas inexistantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un phénomène bien particulier qui est resté caché longtemps sur YouTube. Et je vous préviens, dans cet épisode, nous allons creuser très profondément dans l'algorithme, et il y a de fortes chances pour que nous nous retrouvions dans un des endroits les plus sombres de la plateforme. Laissez-moi donc vous présenter l'étrange cas de la combinaison TRY-FG et de la petite ville de Peltzer, située en Caroline du Sud. Commençons par le premier post qui a porté cet étrange phénomène à l'attention des internautes. Le 18 mai 2019, un utilisateur de 4chan a publié un post intitulé « Qu'est-ce qui se passe sur YouTube ?». Au sein de ce post, l'utilisateur anonyme explique que « Bon, j'ai tapé TRYGF, une combinaison de lettres totalement aléatoire dans la barre de recherche de YouTube, parce que je m'ennuyais. Et puis, je suis tombé sur d'étranges recommandations de la part de YouTube. D'où est-ce que ces trucs peuvent bien sortir? Du coup, j'ai testé d'autres combinaisons aléatoires de lettres, mais rien. J'ai alors testé une combinaison similaire à la première, TRY-FG. Et les résultats étaient encore plus bizarres. Il y avait notamment une vidéo de 6 secondes, nommée TRY-FG, qui avait été uploadée par 6 comptes différents, et qui précisait « Tu as réussi, félicitations ». Et puis, je suis tombé sur cette vidéo dont je n'ai absolument pas compris le message. Est-ce que quelqu'un a des informations là-dessus? En cliquant sur ce lien, il est possible de tomber sur cette chaîne YouTube nommée Hi, I'm Walter. Sur cette chaîne, une vidéo nommée TRY-FG d'environ 30 secondes semble nous montrer une image statique. Bon, jetons-y un œil. Un jour après qu'ait été posté ce message sur 4chan, un post intitulé « J'ai trouvé quelque chose d'étrange sur YouTube, aidez-moi à y voir plus clair » apparaissait sur Reddit. Ce nouveau post était relativement similaire à celui publié la veille sur 4chan, mais ce coup-là, l'auteur de ce message était identifiable, Gray Money. Et à lire ce message, il semblerait que cet utilisateur soit lui aussi tombé sur ces étranges suggestions, juste après avoir tapé les mêmes combinaisons aléatoires dans la barre de recherche. Et bon. Vu la ressemblance entre ces deux messages, il y a fort à parier que ce soit un copier-coller du post 4chan posté par le même utilisateur ou par un autre qui aurait décidé de solliciter la communauté Reddit en plus de celle de 4chan. D'après ces utilisateurs, ces recommandations YouTube amènent à de bien curieux résultats en lien avec du cannibalisme sans filtre, une personne pratiquant de la chirurgie sur des animaux pour vraisemblablement tenter de créer une créature hybride entre un chien et un chat, des vers sortant de globes oculaires d'enfants, et diverses vidéos montrant des gens perdre la vie de manière particulièrement brutale. Un peu plus loin dans son post, l'utilisateur Reddit met en lumière une vidéo qu'il a trouvée dans le cadre de ses recherches, en précisant qu'il n'allait pas la mettre en lien car son contenu est visiblement bien trop dérangeant. Notamment en ce qu'il est possible de voir, une fois de plus, un individu perdre la vie et subir des sévices insoutenables. Mais quelques temps plus tard, il précise avoir cédé aux nombreuses demandes des utilisateurs, en modifiant son post pour y inclure un lien vers la vidéo en question. Le titre de cette vidéo ? DTBO et tout un tas d'autres lettres derrière.
le nom de la chaîne, LZW blablabla, que nous appellerons LZW dans le reste de la vidéo. Allez, regardons ça ensemble. L'utilisateur Grémonet précisait donc que cette vidéo était particulièrement réaliste et qu'elle montrait une vraie boucherie, qui pourrait bien être une scène de crime, tout ce qu'il y a de plus réel. Mais... vraiment ? Cette vidéo, remplie de cuts anarchiques et drapée dans une ambiance sonore sinistre, a divisé les internautes. En effet, pour certains, il était clair que tout ceci était bien plus qu'un simple ARG, ou jeu en réalité alterné. Tandis que pour d'autres, il est assez clair que cela est bien trop bizarre et cryptique pour être autre chose qu'une mise en scène. Et cette vidéo ne semble être qu'un fragment d'une longue série ayant été compilée par un utilisateur YouTube dénommé Rothschild. Sur cette nouvelle chaîne, il est en effet possible de trouver une playlist dénommée Pelzer Super TV, qui contient plus d'une centaine de vidéos dont plus d'une vingtaine semblent avoir été effacées ou mises en privé. En lançant la playlist, on tombe sur tout un tas de vidéos semblables à celles que nous avons vues sur la chaîne LZW. Pour résumer, ces vidéos reprennent l'esthétique des vidéos supposément extraites du Deep Web et dans lesquelles il est possible de retrouver des poupées creepy et plus généralement une ambiance enfantine. Comme faite pour attirer la curiosité des plus jeunes spectateurs. Et globalement, on peut définir cette playlist comme un amas de vidéos qui semble tout à fait random et plus ou moins creepy. Toutefois, il est possible de remarquer que certaines vidéos semblent quelque peu différentes des autres, et dénotent de la narration que semble vouloir nous présenter cette étrange chaîne. Je vous laisse juger ça par vous-même. Ok, d'autres vidéos de cette playlist semblent liées à la chaîne LZW, mais étrangement, elles semblent avoir été postées par d'autres chaînes YouTube, semblant pour le moins toutes différentes les unes des autres. Dans cette playlist, il est d'ailleurs possible de trouver des vidéos venant d'une chaîne nommée Delta K, une autre du nom de Surprise Songs Club, une autre MXKKR, ou encore celle de Stuart Silverstone, et bien sûr, celle de la chaîne LZW. Toutes ces étranges vidéos se retrouvent dans une seule et même playlist, Pelzer Super TV. Bon, le point commun entre toutes ces vidéos est qu'elles sont toutes clairement bizarres. Mais est-ce que ces vidéos sont toutes là par hasard? Ou bien sont-elles toutes connectées les unes aux autres? En faisant mes recherches, je suis tombé sur ce post Reddit, où un utilisateur expliquait que la playlist Pelzer Super TV faisait déjà l'objet d'investigations de la part d'internautes. Mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec TRYFG et la barre de recherche de YouTube. Sous ce post, un utilisateur de Reddit a posté un lien renvoyant vers des archives d'investigation datant de plusieurs années. Et effectivement, en lisant, on retrouve deux occurrences principales. La ville de Pelzer, en Caroline du Sud, et une secte nommée The Finders.
Dans un post datant de juillet 2017, il est possible de lire « Il y a quelques jours, quelqu'un a posté un lien vers une vidéo de H3H3 Productions, commentant cette nouvelle tendance merdique pour les gamins. Du coup, un utilisateur qui avait remarqué le charabia posté dans les commentaires d'une vidéo a été assez paranoïaque pour essayer de décoder tout ça, et a découvert que ces messages codés menaient à une page Twitter, qui menait elle-même à d'autres vidéos, qui contenaient d'autres chiffres, qui menaient également à des liens vers des documents, etc. Jusqu'à arriver à une conversation Yahoo, impliquant l'une des mêmes personnes qui avait posté les commentaires YouTube originaux sous les vidéos pour enfants. La conversation Yahoo donne des détails sur une organisation basée dans le sud-est des États-Unis appelée les Finders. Certaines personnes dont les noms étaient cités dans la conversation Yahoo sont connues de la justice pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs, principalement en Floride. J'ai moi-même vérifié. Ensuite, on a trouvé un lien vers un thread 8chan avec des images et des chiffres suspects qui a maintenant été retiré. Pour l'instant, tous les indices nous mènent à une ville appelée Pelzer, en Caroline du Sud. En 2018, de nombreux youtubeurs se sont penchés sur ce phénomène, et notamment H3H3 Productions qui s'était intéressé à cette vidéo. Black Spider-Man vs Scream and Spider-Man vs Scream, film de super-héros dans la vraie vie, vidéo pour enfants 2. Et en creusant dans les commentaires, au milieu de tout un tas de messages random, on tombe sur Stuart Silverstone. Un nom qui semble familier, non ? Le message laissé par Stuart a par la suite été décodé, et ça a donné « Tous les programmeurs suivent le lapin blanc pour que tous les programmeurs suivent le lapin blanc jusqu'au merle bleu. » @ZEAUX_CXT. Bon, comme vous l'aurez compris, ce message invite à entrer en contact sur Twitter avec le compte ZEAUX_CXT. Sur le profil, des tonnes d'images, de notes et diverses énigmes. À partir de là, les enquêteurs numériques ont découvert, en décodant ces messages, ce qui ressemblait à une liste de caractères ressemblant à une URL YouTube, qui contenait un code hexadécimal renvoyant à une image, renvoyant elle-même à une dernière vidéo YouTube. Red, your trigger is Star Wars. Blue, your trigger is Britney Spears. Green, your trigger is green balloons. Bon, au final, cette vidéo est juste très perchée, mais l'énigme ne se trouvait pas dans la vidéo, mais juste en dessous, tout en bas de la description. Une fois converti le tout en binaire, les enquêteurs ont pu déchiffrer le message suivant. Project Bluebird at Geek69. Et comme vous pouvez vous en douter, Geek69 est un autre profil Twitter rempli d'images creepy. Et en décryptant le tout une fois de plus, les enquêteurs numériques se retrouvaient de nouveau face à des vidéos de la playlist Pelzer Super TV, des chaînes LZW ou MXKKR que nous avons déjà croisées par le passé. Et après de nombreuses semaines d'efforts et d'enquêtes, les enquêteurs arrivaient tous à la même conclusion. La playlist Pelzer Super TV est liée à la secte des Finders. D'ailleurs, sur le Twitter de ZEAUXCXT, il est possible de trouver cette image, accompagnée d'un message qui, une fois décodé, a donné « Qui trouve ce que les Finders cachent ?» Ok, mais qui sont les Finders ? Pour faire simple, la secte des Finders a été créée par Marion D. Petty et a sévi de la Caroline du Sud à la Floride dans les années 80. Et on peut lire beaucoup de choses sur les Finders en ligne, notamment des histoires un peu folles impliquant la CIA, dont on ne parlera pas ici parce qu'elles ne me semblent pas crédibles. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils ont bien existé, et qu'en gros c'était une communauté très très fermée, qui faisait littéralement n'importe quoi. Ils lisaient entre autres des textes de Lao Tzu, Gandhi ou Martin Luther King, tout en invoquant Satan dans des rituels impliquant des enfants et... Je vais m'arrêter là dans le descriptif de leurs activités. Mais bon, disons que si vous imaginez le pire, vous ne serez certainement pas loin du résultat.
Mi-2017, un nouveau tweet était posté par ZEAUXCXT, accompagné d'une image cryptique qui, une fois décodée, délivrera le précieux message suivant. Zetastro, une page de Dave's Diary. En googlant cette phrase, les enquêteurs sont tombés sur un vieux groupe Yahoo de 2007, où il est possible de lire le témoignage d'utilisateurs ayant côtoyé les Finders. Dans ce post, l'utilisateur liste des noms d'individus impliqués dans les agissements sordides de cette secte, et on retrouve souvent les noms de Stuart Silverstone et Marion D. Petty. Bref, souvenez-vous de cette chaîne qui commence par LZW. Eh bien, son nom a également été décodé, et ça donnait The Game Caller, qui s'avère être le nom utilisé par les Finders pour désigner leur leader, Marion D. Petty. Bon, on commence à avoir pas mal d'informations sur la playlist Pelzer Super TV, mais il y a autre chose. Dans une vidéo de la playlist nommée Feet Omen Unexit ZN, on peut remarquer quelque chose d'intéressant. Des petites lettres en forme de ballon semblent former une URL. excitementfunzone.xyz. La première version du site ressemblait à ça. Et on peut remarquer que son créateur semble être quelque peu obsédé par Spider-Man, que l'on retrouve partout. En cliquant sur des endroits aléatoires, on est projeté sur des pages étranges. Sur celle-ci par exemple, on trouve 4 colonnes de formes différentes, et en cliquant sur elles, on est renvoyé sur des vidéos de la playlist Pelzer Super TV. Et certaines d'entre elles contiennent des coordonnées en description, qui bien évidemment correspondent à la ville de Pelzer en Caroline du Sud. Regardez. De retour sur la page principale, en cliquant sur le ballon rose, on tombe sur une photo pixelisée de ce qu'on devine être une femme mutilée. Et derrière, le logo de la chaîne Delta K. En cliquant sur le ballon rouge, on a droit à un clown creepy avec des marionnettes sur les doigts. Et lorsque l'on clique sur un personnage, on se retrouve une fois de plus sur les vidéos de la playlist Pelzer Super TV. En cliquant sur la tête de Spider-Man, on tombe sur un dessin un peu glitché. Le fait de cliquer sur l'œil droit amène à une superbe chaîne dénommée l'incroyable culte de Spider-Man. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette chaîne, mais il s'agit globalement d'une série animée en 15 épisodes qui ont été faits sur un jeu PC des années 2000 où il était possible d'animer les scènes à sa guise. Et sous toutes ces vidéos, nouveaux épisodes chaque dimanche à 13h30 après la communion religieuse à l'église luthérienne du nom béni de Pelzer. Bon, résumons. On a des vidéos bizarres avec des esthétiques enfantines, uploadées par des chaînes dont les noms font référence aux membres d'une petite secte qui utilisait des enfants dans des rituels, et toutes ces vidéos sont réunies dans une playlist dénommée Pelzer Super TV. En référence à une petite ville située dans le secteur où les Finders sévissaient il y a quelques années encore. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais ce n'est pas tout. En 2020, le site excitementfunzone.xyz a disparu quelques jours, avant de revenir avec de nombreuses pages supplémentaires, vraiment beaucoup de pages en plus. Des pages étranges, qui nous renvoient à des vidéos effrayantes, qui renvoient à des messages cryptés, et ainsi de suite. Ces mystérieux utilisateurs, qui se prétendent être la relève des Finders, semblent donc toujours actifs.
D'ailleurs, de nouvelles découvertes ont été faites en 2022, car des énigmes continuent d'être délivrées aux enquêteurs les plus acharnés. Vous l'aurez compris, tout ceci est en réalité un ARG, que je trouve d'ailleurs plutôt brillant. D'abord, il faut avouer qu'utiliser la secte des Finders, qui a réellement existé, était bien pensé. Et puis, les personnes derrière ce jeu de pistes numériques se sont montrées particulièrement généreuses avec les utilisateurs engagés dans la partie. Depuis plus de 5 ans, le mystère TRYFG est entretenu par des passionnés, créant sans cesse de nouvelles plateformes, de nouvelles énigmes et connexions avec des événements du passé. TRYFG montre une fois de plus que les ARG sont un médium fantastique pour raconter des histoires, en tentant de gommer le plus subtilement possible la fine frontière entre fiction et réalité. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié ce mystère numérique. Merci d'être resté jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Ça ne vous demande que quelques clics et ça aide grandement la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscurial.